J'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme parce que moi oui. Je vais mettre la pierre du temps sur son socle. Qu'est-ce que cela va faire? Ok, j'ai compris. Hudson. Ok. Ok, la diagonale a l'air de pas marcher. Comment faire? Ah voilà. Je suis bête. Tada. Que j'espère vous péter la fin parce que moi oui. Je suis pressé de continuer à avancer sur ce jeu. Très bon jeu d'ailleurs. On va passer par là, non. Par là non plus, ah si j'en peux. À moitié, je peux plus. C'est tout. On a trouvé la magie vite. Tu vois, Menos, il ne fallait pas être si pessimiste. Il semblerait qu'il soit possible de l'utiliser. Peut-être la pierre du temps a-t-elle permis de l'activer. C'est ce que je pense aussi. En tout cas, c'est notre ticket de retour. J'en suis pas certain. Et si on arrivait encore dans une autre époque? Une époque où il n'y aurait plus aucun mystère, plus aucune poésie. Une époque où la vie consisterait à tuer des gens en vue FPS. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est lui qui l'hypothèse. Il est aussi possible que nous nous retrouvions à notre époque. Enfin, à mon époque. Au celle de Mademoiselle Fiona. Fina, pas Fiona. Et de Solid Snail. Mais comme le dirait Mademoiselle Fina, je crains que nous n'ayons d'autre choix de toute façon. Exactement. Allons-y, Kuro. On aura la réponse qu'une fois arrivé. Et je ne tiens pas à rester dans ce futur plus longtemps. Ah ah! Menos, c'est affreux, tu t'es transformé en femme. Menos, ton nom dit quelque chose. Tu n'es pas Menos. Désolé, j'ai été très surprise de vous voir apparaître ainsi. Je me suis pas présenté, je m'appelle Velvet. Velvet, et vous, quel nom? Et comment êtes-vous arrivé ici? Ce serait le professeur. Professeur du, de la personne de la bibliothèque, là, je les relis, je sais plus. Ça, il restait là-bas. Kuro, j'ai peur que Menos soit resté bloqué dans le futur. Peut-être parce que Velvet était à cet endroit précis pile à cet instant-là. Du coup, il ne va plus se matérialiser ici. Megillit, il est désactivé. Tu crois que quelqu'un a touché la pierre du temps? Oui. C'est une explication possible, mais qui nous aurait suivi jusqu'à cette île? Le Megillit, la pierre du temps? On était sûr, vous êtes des magies. Non, on est des humains normaux, on a juste fait un voyage. Est-ce qu'on peut vous demander en quelle année on est au juste? Nous sommes en 999. Pas pour très longtemps, regarde. Okay. La fête du 50e anniversaire de la victoire de l'Empire marquera aussi le passage à un nouveau millénaire. Kuro, on est enfin rentré chez nous. Je vais pouvoir revoir mon village. Le 50e, cinquantenaire, c'est à ce moment-là que doit se produire la catastrophe. Quelle catastrophe? Kuro, on peut sûrement éviter qu'elle se produise. On n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'on découvre plus vite ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Alors c'était donc vrai. Je n'ai jamais voulu y croire. Selon les anciens textes, le Megillit permet de voyager dans le temps. Vous avez trouvé la pierre du temps.
J'ai passé ma vie entière à la rechercher. C'est une longue histoire, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, de tout vous raconter. Si la catastrophe se produit, alors... Je ne veux pas de ce futur. Laissez-moi vous accompagner. J'ai étudié les Magi pendant des années. Si tout ceci a quelque chose à voir avec les Magi, alors vous pouvez compter sur moi. Ça pourrait devenir dangereux. J'ai l'habitude du danger. Kuro, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'elle devrait nous accompagner? Oui. Merci. Merde, commençons par sortir d'ici. Vous tombez plutôt bien, j'ai été capturé par des pirates, et si vous n'êtes pas arrivé, je ne sais pas si je m'en serais sorti seul. Ouais. Donc on a perdu Mélos. Les pirates. Cette histoire ne te rappelle rien, Kuro? Fouillons un petit peu, hein. Rien à fouiller, on dirait. Malgré son aspect vétus, ce portail est assez solide. Je peux l'affaiblir grâce à mon pouvoir, mais il faudrait que tu le détruis. Ok. Très bien. Un coffre, peut-être? Ah non, rien. Ok, ok, bah continuons. Je peux passer... La prisonnière s'évade. Qui veut s'opposer à nous? Nous sommes les intrépides pirates de la baie. Aucun droit à la propriété ne nous résiste. Ce qui est à vous est à nous. Et vice versa. Qu'est-ce que tu racontes, Wedge? T'es censé dire être là, non? Oui, je sais, mais j'ai trouvé que vice versa, ça sonnait mieux. Qui est-ce qui dit encore tralala de nos jours, franchement? Biggs, il n'a pas vraiment tort. Moi aussi, je trouve que tralala, ce n'est pas terrible. Personne ne m'écoute jamais, Larion. Tout ce que je demande, c'est qu'on dise ce qu'on a décidé qu'on dirait. Si on change à chaque fois, ça ne sert à rien de faire des réunions. Bix, tu as plutôt raison. Bon, on en était où? Et tralala. Encore désolé, Bix. C'est déjà oublié. Mais, ce n'est pas la prisonnière. Je propose qu'on fasse une réunion pour déterminer la marche à suivre. Motion acceptée. D'accord, pourquoi pas. Alors... Vous verrez bientôt l'infirmacité des périodes de la baie. Enfin, c'est ce que je compte proposer lors de la réunion. Moi, je suis d'accord avec tout le monde. Mais quoi bon faire des réunions si c'est pour se disputer? Un instant. Vous voyez bien qu'on est en pleine réunion, là. Cette fois, c'est promis, je fais comme on l'a décidé. On est occupé. Ok. Faites comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. On s'en va, moi je me casse. Je peux passer par là, c'est par en bas. Bien. Après avoir écouté tous les arguments, les contre-arguments et les suggestions, j'ai pris ma décision. Nous allons attaquer cet intrus car nous sommes les féroces pirates de la baie. Ouais. Motion acceptée. Biggs. Qu'est-ce qu'il y a encore, Wedge? C'est que... En regardant l'intrus, j'ai cru le reconnaître. Et tu ne veux pas le dire avant? C'est que si vous regardez bien, ses cheveux roux, ses lunettes sur le front, ça vous dit vraiment rien? C'est le fantôme du pirate Roberts. Il vient sûrement pour se venger. Vite, tous à la vie. Ah d'accord, le pirate Robert c'est nous. Je pense. Il a l'air de rien avoir, du moins pas pour le moment. Vous avez obtenu un magnifique bateau, ça commence à faire un peu lourd à porter tout cet équipement.
Voulez-vous prendre la mer? Oui. Est-ce qu'on le contrôle? Oh, mais c'est nice! On fouille un petit peu. Je pense que cette île, on peut y atterrir. Enfin, on peut s'y stopper, quoi. Ah non, on peut pas, on dirait. Il n'y a que l'endroit où il y a un pont. J'ai l'impression. Je vais regarder dans tous les recoins, hein. Il va y avoir des passages secrets. Hein. On va là ou on y va après? Bonne question. Allez, on y va. Ah ah, c'est bien courageux de vous attaquer à notre père, mais nous n'acceptons que les défis lancés par d'autres pirates. Ok, donc nous devons devenir d'autres pirates. Y'a rien pour le moment, ok. Maudit soit le pirate Robert, à cause de lui et de son trésor, ils veulent tous devenir le roi des pirates. Ces criminels sont de plus en plus nombreux, et tous les enfants veulent devenir pirates quand ils seront grands. Un Rogers, One Piece. Mais que font les forces spéciales de l'Empire? Elles sont censées protéger les citoyens et ne font rien contre les pirates de la baie. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir m'enrichir en faisant du commerce sans que mes bateaux soient abordés. Désolé. J'étais encore jeune quand le pirate Robert sillonnait les mers. Ah, c'était le bon vieux temps. Je venais souvent sur la plage regarder les bateaux au loin, et le sable a disparu sous les vagues petit à petit. Vous êtes caché où le port de Syrah sera englouti? Bonne question. J'espère que vous entendez quand je parle. J'adore cuisiner. Il paraît qu'un gourmet a décidé de transformer le wok de l'Alde. Vous pensez qu'il arrivera à réinventer ce restaurant minable? Pour ma part, j'en doute. J'ai combien de... J'ai 2100, ok. Pas que j'oublie de me rappeler qu'à 10 000 pièces pour acheter quelque chose. Nous sommes sœurs, hi hi hi. Nous sommes sœurs, hi hi hi. Ok, rien d'autre à dire? Ok. Alors. On peut pas aller là en dessous? Non, pas tout de suite encore. Les pirates aiment se défier à des combats à main nue. Je trouve ça violent et barbare, pas vous? J'avoue, c'est mieux l'épée. L'épée est plus... Enfin, la pluie est plus forte que l'épée, comme certains diraient. Alors... Allons voir Genova. Bienvenue à Genova, profitez de bien d'autres visites. Nous fêtons le 50e anniversaire de la fête, promet d'être exceptionnel. Dommage que vous soyez, que je sois de garde. Les jeunes ont oublié ce qu'était la guerre. Aujourd'hui, ils n'y voient qu'un prétexte pour faire la fête. Alors que tant de gens sont morts pour leur liberté. De nombreux humains. Et encore plus de démons, ouais. La paix règne au sein de l'Empire depuis bientôt 50 ans. Nous allons fêter ça comme il se doit. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Nous n'avons plus d'ennemis. Ah, jamais je ne serai prêt pour le cinquantenaire. Il faut que tout soit parfait. Désolé, mais vous ne pouvez pas entrer ici. C'est dommage pour les enfants, mais ils l'ont bien mérité. Tout est reparti pour la fête du cinquantenaire, mais puis... Vous n'auriez pas vu mon fils par hasard? Ces derniers temps, il joue qu'avec ses amis. Enfin, tant qu'ils ne font pas de bêtises. Ok. Depuis la fin de la guerre, mon père s'est enfermé et ne ressort que rarement. Je veux bien comprendre que c'est dur pour lui, mais il y a des limites. C'est décidé. Dès qu'il ne sera plus là, je vendrai la maison. Cette porte est fermée, d'accord. Le dit personne, mais mon fiancé est parti rejoindre le pirate de l'abbaye. J'espère qu'il reviendra avec plein de trésors. Et peut-être une jolie cicatrice sur la joue. Ça le rendrait encore plus viril. Alors, allô.
Wok. Bienvenue chez McDonald's. Malheureusement, le resto est fermé pour le moment. Mon grand-père m'a légué ce restaurant. C'est comme c'est qu'il a fait fortune. Je ne suis pas satisfait de la qualité de la cuisine. J'ai goûté de nombreux plats, mais impossible de trouver le plat parfait. Il faudrait que je parte à la recherche des ingrédients légendaires. Je suis coincé ici. Vous m'avez l'air d'aventurier intrépide. Accepteriez-vous de me ramener les 3 ingrédients légendaires? Oui. Merci, je compte sur vous. Trouvez les 3 ingrédients légendaires et rapportez-les-moi. Qu'est-ce que c'est que les 3 ingrédients légendaires? Du sucre peut-être? Ce n'est pas un ingrédient légendaire. J'essaie de voir. Oh, vous avez trouvé le steak mammouth? Merci, génial, merci 1000 fois. Ok, donc là j'ai rien, et quand j'ai rien, ça fait ça. Donc steak de mammouth, c'est un ingrédient légendaire. Désolé pour ces frises, je ne sais pas pourquoi ça frise comme ça. On va faire les bâtiments comme ça. Nous sommes 3 sœurs, hihi. Ouais, même chose. Je pense que je vais pas vous lire ça, je vais juste vous lire les textes de quête principale. Oui. Ah, Madame Lombrouille, d'accord. Attends, Madame Lombrouille. Je crois que c'est la petite fille dans le passé. Ah non, elle était dans le futur. Ouais, elle était dans le futur, donc non, c'est pas elle. On va devoir aller à la mine, je sens. Je pense qu'on va faire le tour de la zone, puis on va s'arrêter là. Et oui, ça vient de son éducation. Essayez de faire le lien un peu entre le passé, le futur et maintenant. Naviguer dans les égouts, mais n'importe quoi, toi. Celui-là, on lui a déjà parlé. Oh! Ordre prophète. Ah, c'est le prophète du futur qu'on a attaqué la dernière fois. La zone quand même, hein. Toujours. Certains objets qui n'ont pas de texture quand même. Nice, on prend du stuff de défense. Le reste. Faudrait que j'achète quand même. Pas que j'achète, que je crafte les items. Alors j'ai combien de minerais d'oricon? J'en ai 2, c'est peut-être 4 pour chaque item en fait. J'ai 13 étoiles. Ah ouais, ça parle de Velvet. Ok.
l'auberge est là. Ah, juste Game of Cards. Ça a l'air sympa, Kuro. Approchez pour en savoir plus. On va faire ça juste après. On reviendra ici dans la prochaine vidéo, je pense qu'on fera. Parce que ça m'intéresse le jeu. Game of Cards, ça m'intéresse vraiment. J'ai vu que le jeu était plus complet que dans le premier. Oh, je suis bloqué, non, quand même pas. Oh. On relance. Ok. Je me dis pas que j'ai trop bloqué quand même. Hein. J'ai pas le choix de lui parler. Ok, bah j'ai pas le choix de lui parler. Je pense qu'on va faire quelques parties de ça et ensuite on s'arrêtera là. Sur notre visite de Genova dans la prochaine vidéo. Je ne sais plus sur Game of Cards comment jouer. Les règles. Ok, on dirait un petit peu Hearthstone. Un tout petit peu, quoi. Si on a un bateau. Oh, le bateau. On a le bateau qui est là-haut. Donc là, le bois qu'on a déjà visité. D'accord, je comprends. Ici un coffre, on le prend juste après. J'ai autre chose à faire pour l'instant que discuter avec mes anciens élèves. Mieux vaut qu'ils ne me voient pas. Nice, de le mana. Ça en fait deux. Ha ha ha.
L'ancienne prison, d'accord. L'ouest de Genova, d'accord. J'essaie de regarder s'il n'y a pas de revoir les enfants là que j'ai pas pris avant. J'essaie de voir pour les autres avant d'aller chercher. Ok, c'est simple. Tada. Ça m'en fait 3, donc je sais où sont les deux derniers. Les deux dernières, ouais, donc on va chercher l'avant-dernière. Puis on s'arrêtera là. Maintenant, s'il n'y a rien dans les autres coffres quand même. Non, il n'y a rien dans les autres coffres. Eh bien, nous allons nous arrêter là. Dans la prochaine vidéo, nous ferons un peu de card game. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, et surtout vous abonner à la chaîne. C'était tout, c'était le projet du Bon HD, passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive les jeux vidéo!